On le fait voir à travers cette vidéo. Donc, pour que tu aies le problème, et la plus première, on a mis quelques enseignants. On a mis même les enseignants. On a des confiances en nous. Pour que nous travaillions avec les enseignants. On a été dans la population pour que nous cassions les enseignants. Ma petite famille, policier décédé, que la police a rangé là, dans le dos. Donc on n'est pas dans rien que nous sommes capables de faire pour que nous comblions vite que petit Mario devienne dans la rue. Monsieur Zarel nous garantit que la police a un bloc. Supporter des moments difficiles. Frères, sœurs policiers, nous prenons beaucoup, nous blessés, nous secoués. Mais nous ne pas quitter tout ça, mettez dans la tête. Au contraire, mais nous faisons crier. Il faut que nous mettions tête pour ensemble. Mettre toute force nous ensemble. Pour nous faire une unité dans la police là pour nous avoir une réponse institutionnelle. Déjà, j'ai des travaux préalables qui fait déjà. Nous souhaitons que l'unité ça peut nous chercher dans la police là. À partir de l'unité que nous faisons parler là, nous parlons de nous. Parce que je vous dis, ce n'est pas belle parole, mais c'est plutôt action. Nous promettons que nous allons être ensemble pour que nous allons réponse rapide. Des initiatives qui commencent à prendre dans ce sens-là. Et nous encourager, base de la police, là, sortir à Jean-Claude pour nous faire notre directeur général, l'offre, que nous ferons seuls. Pour la foule de réalité, je dis, la liste est la loi, la liste est la constitution de l'Union. Pour le faire, c'est le principe qui est établi. C'est moi. Ma petite population, la police n'a pas failli à nous. La vie au moment difficile. Au moment difficile. La police a séduit. Mais la police a ressaisi immédiatement pour avancer dans la responsabilité que nous avons pour protéger la population. Nous demandons à la police à demander population collaborer avec la force de police. Où est la force de police? Malgré toute faiblesse que l'institution a gagnée, ou pas l'institution seule. À nous mettre ensemble pour les forces policières. Parce que nous voyons un mariage police-population, un mariage différents secteurs dans le pays. Nous pourrons la police à la lutte que la paix est contre. Nous qu'à faire un pile de bagailles sans que nous parlions de propres moyens. Mais nous mettre ensemble. Nous voyons les unités en parlant. Déstabiliser la police là, par les mêmes côtés. Attaquer nos chefs de police, sur l'intégrité, pour sacrifier pour une institution, pour pays, il va pas les mêmes côtés. Je vous dis, Francel, le directeur général de la police, que même si on l'a pandémie, si on n'a pas changé le mode de fonctionnement, c'est à toujours même mal. Donc, on conseille. La population haïtienne, à tout secteur du pays, nous-mêmes, frères policiers et policières, allons unir contre le mal qui s'est fait sécurité dans le pays. Enfin, nous faisons pour nous promener pour les sécurités. Dans quelques heures d'après-midi, après les signes clairs, les policiers, ensemble, nous combattons. Merci.
annoncer que aujourd'hui à nous la matinée, en tant que coordinateur général Sinaboa, c'est juste pour nous venir participer dans le funérail. Trois collègues policiers nous connaissent qui étaient morts dans la commune Pétionville le 20 janvier qui sont passés là. Qui donc, c'est avec tristesse que nous venons là, mais via Saladin. Et nous sommes capables de remarquer qu'il y a des petits problèmes par rapport à la question funéraire là. Même parce que nous, là, quand même, nous-mêmes, pour nous venir assister, pour nous venir rendre un dernier hommage avec les collègues policiers, ça va nous considérer comme des héros, des nègres qui tombaient sur le champ de bataille, des nègres qui quittaient la caillou, qui défendaient mieux pour y aller porter secours avec l'autre. Et donc, c'est comme ça la caillou. Si nous avons avoir un sympathie, bah, toute famille, tous les amis policiers, ça va. Spécialement Petitio, madame, nos collègues de travail, nous connaissons qui trouvaient ou non. Tristesse que nous n'avons pas besoin de capable de quitter Koukounia là. Même quoi que faut de travail qui fait, faut que bataille qui mène pour empêcher que les policiers tombent comme ça, faut gagner un bagage qui dit pour permettre que monsieur Bandi ça aujourd'hui qui prend contrôle du pays, faut gagner des décisions qui prend le plus vite que possible pour freiner ça. Et nous, les policiers, nous tombons en pile, il y a 6 policiers tombés, Tirivier et Liancourt, qui donc c'est des barrières qui sont vraiment tristes. Je dis à la nous gagner, nous la police qui a perdu nous presque chaque jour, donc presque nous n'avons pas gagné qui fait pour permettre que nous aussi se prenons avec ça. Mais nous souhaitons collègues, nous faut être très prudents, très vigilants dans l'action, dans ce qui est pour faire, là où pas le travail, là où dans l'opération. Faut un comportement qui est exemplaire par rapport avec ça ou bien pour faire et puis éviter les ou dans la retour question téléphone va plus priorité avec travailler il y a hier nous connaissons un policier qui est sorti par fond qui passe la garage et juste avec sa famille. Bon, effectivement nous t'es informé de ça côté que un policier qui c'est Rabel en 20e promotion, Rabel jusqu'à en 20e promotion qui a travaillé dans le commissariat d'Elma et bien il a quitté la Cali Carrefour. Selon l'information que nous n'est pas rentré dans le commissariat, le commissariat n'est pas rentré, madame Nérédé dans le commissariat n'est pas rentré. Comme d'habitude, il est toujours informé et formé à chaque fois qu'il arrive dans le commissariat. C'est bien dommage que matin, on a entendu madame Nérédé sur la radio qui a lancé son cri. Par rapport avec les policiers qui ont accueilli par le l'information depuis hier matin, il fait croire que Nathie Macaque Tata semble tuer les policiers, ils prennent les amis, ils prennent le corps, ils rentrent ensemble avec lui. Dans le moment que nous avons crié pour ça qui passe à Pétionville, dans le moment que nous avons crié pour ça qui passe à Liancourt, vous pouvez imaginer que c'est chaque jour que nous avons fait, c'est chaque jour. Dans le moment que nous avons parlé pour oublier quelque chose, c'est le moment encore. Il y a l'autre policier qui a tombé. C'est là que nous dénonçons. Nous souhaitons qu'il faut prendre des décisions qui prennent le plus vite que possible pour freiner le phénomène. Ça. Parce que c'est pas possible que les policiers continuent à tomber comme ça. Et on va regarder ce qui est passé actuellement là. Dans la Tibonie, dans Jérémy, dans Saint-Marc, dans Port-au-Prince, les policiers prennent la rue pour demander des meilleures conditions de travail. Nous voulons que faut qu'on baille qui fait rapide pour permettre que les policiers, les revendications, soient satisfaits et permettre que vous quittez. Là où il y a côté que vous y a. Mais pour jouer une satisfaction, c'est responsable, soit au niveau état-major de ça, ou bien au niveau gouvernement qui doit prendre responsabilité pour permettre que les policiers récupèrent les commissariats, récupèrent les bases. Parce que la mission qui s'est protégée et servie, la population compte sur nous, même les que la victime, c'est vous, mais ça n'a pas de faire une faillite avec la mission. Bon, je ne vais pas commenter sur ça. Bon, peut-être c'est vous-même qui connaissez pour le commissaire Ophel. Mais est-ce que c'est bon droit que vous gagnez pour parvenir là-dedans? Peut-être ça que vous avez souhaité. Bon, je ne vais pas trop parler de ça. Ok, merci. Un Dieu tout-puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen dans la vérité. Non.
est là pour nous saluer. Thank you.